a look at yourself. I was wrong. Bonjour à tous, je m'appelle Christopher Belch, j'ai 17 ans et je suis au lycée Jean Capel en premier accompagnement soins et services à la personne. Donc aujourd'hui nous nous trouvons dans la cuisine de l'ASSP. Nous sommes en train de faire des préparations culinaires pour les parents qui vont visiter le lycée. Pourquoi on est ici? C'est pour la journée portes ouvertes qui a lieu aujourd'hui. Toute la journée. Et en quoi consiste le métier de la SSP? C'est s'occuper des personnes âgées et des enfants. On travaille les enfants en seconde et on travaille un peu plus la personne âgée en première et en terminale. Bah, merci beaucoup. Voilà. Bonjour, nous sommes en gestion administration. Moi, je m'appelle Farida. Et moi, Yusra. Et donc, ça a commencé la journée porte ouverte. On est le samedi 18 mars. Et donc, les premiers parents, ils sont arrivés. On les a accueillis. Voilà. On est en gestion administration. On peut faire plein de choses. Par exemple, nous, on va faire après le bac. Après le bac, on va faire un tourisme. BTS tourisme. Mais dans notre classe, il y a plein de gens qui vont faire plein de trucs, genre prof d'anglais, un bac GS, et ça sert à plusieurs choses. Oui, donc nous, on a participé. C'était un mois en Espagne avec le projet Erasmus. On est parti à Valence, on a travaillé dans des entreprises à Valence. Moi, j'ai travaillé dans un hôtel, un palace 5 étoiles. Moi, dans une entreprise de Noroto. Et c'était bien, j'ai fait un peu de commerce, j'ai fait de la gestion. Et au niveau de la langue, ça n'a pas été trop difficile? Non. Si la première semaine, un peu de oui, mais après, non. D'accord. Ouais, ça va. Donc, le bilan de ce stage à l'étranger? Très bien. On les propose. On les invite à venir à essayer. Moi, je dirais que c'est une belle expérience que peut-être on ne vivra jamais. Et je les conseille vraiment d'essayer de nouvelles choses, de partir voir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Les langues, oui, parce que c'est important. Parce que c'est pas parce qu'on est en France que notre avenir elle est ici. Peut-être qu'elle est ailleurs, qu'on peut aller dans les autres. Et là, c'est très important. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. De rien.